Ceci est la traditionnelle séance de clôture, qui est naturellement pour nous l'occasion de partager avec vous ce qui a été le plus important de cette édition des Idées mènent le monde. Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous surprendre, je ne crois pas trahir la pensée de Philippe. Nous sommes très fiers, Philippe et moi, de cette édition. On est très fiers tous les ans. Mais cette fois-ci, il me semble qu'il y avait quelque chose en plus, quelque chose qui tenait au moment, à ce que nous traversons ensemble, à ce que signifie pour chacun d'entre nous et pour notre société cette crise, à ce que signifie cette reprise, ces retrouvailles, alors que quand nous avons décidé de maintenir l'édition, on n'était pas absolument certain que ça pourrait aller jusqu'au bout. Ça tient à ça, ça tient, pardonnez-moi de le dire comme ça, à la qualité du plateau. Il y a une chose que tous les intervenants ont dite, c'est que ça n'existait nulle part ailleurs. Ça n'était pas envisageable ailleurs en France, comme ampleur du plateau et comme condition d'organisation. Il faut que vous sachiez, mais peut-être vous le savez, que la plupart de ceux qui se sont exprimés, dans toutes les autres conférences qu'ils font, ils sont, on va dire pudiquement, indemnisés, sont payés. Et assez cher. Et ici, personne n'est payé. Tout est bénévole. Tout est bénévole du côté des participants et tout est bénévole du côté des organisateurs. Et ça n'est pas par hasard. Nous avons choisi que tout soit bénévole pour une raison absolument précise, c'est que nous voulions faire de ces journées une œuvre de générosité. J'en viens, les spectateurs gratuitement, les organisateurs bénévolement et les participants généreusement. Et nous nous efforçons de traiter par le choix de tous les intervenants qui viennent pour beaucoup par amitié pour nous. Nous nous efforçons de le traiter avec, en faisant de la présence de chacun un élément de l'écriture de ces rencontres. Le choix des intervenants a pour nous quelque chose de significatif et si j'osais, je dirais de poétique. Vous savez, poétique, ça veut dire créer. Poiesis, ça veut dire la création, puisqu'on est dans l'étymologie aujourd'hui. On vient de le voir avec Étienne Klein. La poésie, c'est la création. Et nous écrivons, et je vous assure que c'est exactement ce que nous faisons, Philippe et moi, nous écrivons cet événement avec des notes de musique qui sont les personnalités de ceux que nous invitons. Et c'est... Je le dis comme je le pense, c'est magique. Puis je voudrais dire deux choses encore et puis je remercierai, ou plus exactement, je donnerai la parole à Philippe et je remercierai après les... Hein,
Je veux dire deux choses. La première, j'ai été frappé encore plus que les autres années par la qualité du silence. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a eu 25 heures, peut-être plus, de ce qui se passe dans cette salle, dans les autres salles, de ce qui se passe avec l'université. J'ai assisté, par exemple, à un spectacle magique sur le camp de Gurs, avec des œuvres musicales, chantées, interprétées, des œuvres chorales ou des lieder, comme on dit, écrites par des Allemands, souvent, au camp de Gurs. Et c'était incroyable. Et c'est deux jeunes musiciennes paloises et Claude Lahari, qui est le président du comité scientifique du camp de Gurs, qui ont proposé ce spectacle. Et c'était magique, pour moi, émouvant aux larmes. Et tout ça, toute cette rencontre, cette agglomération de personnalités, d'événements, ça donne son caractère incomparable. Et j'emploie le mot au sens le plus plein du terme, parce que ça n'existe à ce degré-là nulle part ailleurs. Et deuxièmement, j'étais très content parce que cette année, il y avait des jeunes. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte de ça. Très souvent, autrefois, on savait ou on était embêté un peu parce que du point de vue de la pyramide de l'âge, c'était un peu déséquilibré. C'est normal, il y a des moments où on a un peu plus le temps. Et c'est très frappant, et c'est un très grand succès pour moi qu'il y ait eu des jeunes et qu'il y ait eu la diversité sociale et culturelle. Beaucoup de gens étaient là. Qui probablement n'avaient jamais assisté à un événement de cet ordre, qui venaient entendre et la volonté de partager, au-delà des conditions sociales et culturelles, que ici tout le monde ait sa place et tout le monde soit assuré qu'il comprendra. Parce que le style que nous avons essayé, notamment avec Philippe, de donner, c'est un style où on garantit que aucun des mots, aucune des formules, aucune des phrases ne sera absconse. On a reçu il y a 2 ans un prix Nobel de physique qui est venu raconter les recherches sur la lumière et tout le monde a compris. Et donc, voilà, on est très, très fiers de ça. Je vais tout à l'heure faire les remerciements, mais quand même, je veux dire simplement que je ne connais pas en France d'intervieweur aussi doué, aussi sensible, aussi accoucheur de vérité et aussi amical, dois-je ajouter, que Philippe Lapousterle. Alors, je lui donne la parole. Contrairement à l'habitude, je vais faire très court. Je ne connais pas de personne aussi engagée pour cet événement. Je fais ça dans d'autres villes que François Bayrou avec ça. Il est sur l'affaire. Aucune personne n'arrive sans qu'elle soit contactée par lui. Et voilà, il y a un engagement là qui me paraît essentiel. Et quand on voit le nombre de villes qui ont la chance de pouvoir, souvent beaucoup pourraient organiser, mais qui le font, on se dit que c'est dommage. Parce qu'après tout, chacun a droit, dans le peuple citoyen, d'avoir accès. Que ces gens soient généreux et aient envie de vous voir, c'est le fondement. Pourquoi le pays connaît des endroits, alors évidemment il y a Paris où tout est possible, pourquoi il y a des endroits où il sera autorisé à des gens que leur municipalité
organisent ce genre d'événement, alors de priver d'autres, mine de rien, c'est une énorme différence. Énorme. Il y a ici, quoi, 25 000, 30 000. Ça veut dire 70 000 personnes informées. Ça veut dire que tout ce qui se passe ici, ça dure, ça continue. Les rencontres ne s'arrêtent pas à la fin des rencontres dans 10 minutes, pas du tout. Les questions qui ont été abordées continuent dans les têtes, reviennent. On parle, on lit les choses autrement, on lit des choses que l'on n'aurait pas lues, etc., etc. Ce qui se passe ici dans les rencontres, c'est 10% de ce qui se passe. Il s'en passe avant, il s'en passe pendant, et il s'en passe beaucoup après. D'ailleurs, les libraires nous disent, quand on regarde les ventes de livres, 20% sont vendus avant parce que les gens prennent connaissance de la pensée de celui qui va venir. Ils achètent le livre, beaucoup ici. Et ensuite, ils disent que le nombre de livres vendus après l'événement est égal à celui des deux phases qui précèdent. Voilà, ce sont ça des rencontres. Il ne faut pas imaginer que ce sont deux jours, un week-end. Ça irrigue l'ensemble des choses. Je reviens deux secondes, deuxième chose, sur l'atmosphère particulière qu'il y avait cette année, c'est sûr. Ça, alors là, je peux vous dire qu'il y a une différence nette. Pourquoi ? Quand l'inquiétude fracture les idées qu'on se faisait sur l'avenir de chacun et l'avenir des autres, bien évidemment naissent des questions. Quand la question est aussi fondamentale que faut-il revoir ce qu'on fait pour essayer de reconstruire un monde pour tous ceux qu'on connaît, les enfants et les parents, évidemment. Quand la possibilité est de voir et de rencontrer les gens qui sont le mieux informés sur chacun des aspects. Vous savez que pendant 4h15, Boris Cyrulnik a vu des gens hier. Jean-Marc Sauvé, plus de 4h aussi. Le CAM, 1h30. Toutes ces questions qui traversent les différents ont eu comme suite des rencontres très importantes pour la vie de chacun. Donc il y avait une atmosphère particulière. Et moi, je l'ai ressenti. Et François Bayrou a raison. Il y avait un silence. Ce n'était pas un silence pesant. C'était un silence exigeant. On voulait attraper le plus possible de ce qui était dit et se poser le plus de questions possible. C'est formidable. Je terminerai par une chose. Il se trouve que je connais Boris Cyrulnik depuis longtemps. Et il racontait, depuis quelques années peut-être, oui, ça fait une bonne vingtaine d'années ça, un événement qui s'est passé dans les camps de concentration. Il s'agit de Germaine Tillon, une des fameuses femmes déportées dans un camp de concentration. Je pense que c'était Auschwitz. C'était tellement dur, tellement violent. Elle voyait ses amis mourir, etc. Elle décide un jour de se suicider dans le camp. Et donc, il y a une manière de se suicider facile qui ne demande aucun effort, aucune douleur. Possible dans un camp où il n'y a rien pour se suicider, c'était de se diriger à pied et en courant vers le barbelé qui marquait la fin du camp. Et donc elle se dit, c'est insupportable, je ne peux plus supporter, elle est malade comme un chien, je ne peux plus supporter, c'est fini. Mieux vaut mourir que de continuer de vivre. Elle sort du stalag, elle avance vers le barbelé. Arrivée à mi-chemin, elle regarde, elle voit un coin de ciel bleu, qui, dans son état d'esprit, qui était d'aller mourir. Et comme ça, un étonnement. Et elle dit, j'ai regardé ce bleu et j'ai vu un poème. Je suis rentré. En me disant, j'ai vu un poème. Si je vis, je continuerai de voir des poèmes. Voilà. Je voulais vous le dire parce que le sujet, c'était se reconstruire et reconstruire. Vous vous rendez compte des possibilités qui s'ouvrent lorsque des gens intelligents, qui ont vécu toutes sortes de choses, vous explique comment il faut résister, voilà, à des tentations morbides ou de difficultés ou de victimisation. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, les remerciements, ça commence par les services de la ville qui nous ont aidés à préparer cet événement.
la direction de la culture, la direction de la communication et de l'animation événementielle, le réseau des médiathèques, les agents volontaires, les 9 chauffeurs qui ont souhaité participer et conduire nos invités, les 43 vacataires, tous ces garçons et filles avec les idées mènent le monde sur leur t-shirt noir, très joli d'ailleurs, je dis ça au passage. Et donc ça, c'est les services. Je disais que tout le monde était bénévole. Parmi les bénévoles, il y en a une qui a la responsabilité de l'organisation. Et je voudrais vous la montrer. C'est Delphine Semavoine. Je ne sais pas où elle se trouve. Viens te montrer un peu. C'est une magicienne de l'organisation. Donc, ça, c'est les services, les partenaires maintenant. L'Université de Pau et des Pays de la Dour qui a organisé 10 rencontres et que je vous demande d'applaudir parce que ce qu'ils ont fait est tout à fait remarquable. La presse, Pyrénées Presse, c'est-à-dire La République et l'Éclair, Sud-Ouest, France Bleu Béarn, qui ont été présents tout du long, qui ont présenté l'événement avant, avec des cahiers spéciaux s'agissant des journaux écrits et qui ont assuré le reportage tout du long. Ensuite, l'Office de tourisme de la ville pour la billetterie. Ensuite, DS Store qui nous a prêté 9 voitures floquées à l'événement, à l'annonce de l'événement. Et c'est vraiment un très grand service. Béarn Tourisme, Idélis, l'UNICEF qui a été partenaire. Je voudrais vous demander d'applaudir ceux qui se sont occupés de la garderie des enfants, qui a eu un succès absolument remarquable. C'est-à-dire les Francas de Pau, la Ligue de l'enseignement avec Lire et Faire Lire. Et je voudrais remercier particulièrement notre organisation qui s'appelle Culture en Bus. On va chercher des Palois, jeunes, moins jeunes et jeunes. On leur fait rencontrer certains des intervenants. Et en particulier, ils ont rencontré le général Lecointre. Et ils ont rencontré, ça a été absolument charmant, Corneille, qui a passé un long moment avec eux, comme il avait passé un long moment sur la scène et ensuite à la signature. Et c'était, là encore, absolument précieux parce qu'ils avaient des étoiles dans les yeux. Et donc, je remercie et le général Lecointre, et Corneille, et Culture en Bus. Et puis, enfin, je termine avec les modérateurs. Donc, Marie-Lila Vidal, que vous pouvez applaudir. Romain Belli. Éric Belli, Nicolas Rebière, Jean Marziou, Véronique Ménard et Philippe Lapousterle. Et nous avons beaucoup, beaucoup aimé ces 3 jours avec vous. Si j'ai oublié quelqu'un, Delphine, t'es sûre que j'ai oublié personne ? Hein ? D'accord. Bon, si j'ai oublié quelqu'un, vous verrez que c'est pas faute d'avoir essayé de tirer les vers du nez de ceux qui m'auraient entraîné dans une impasse amicale. Hein ? Non, mais je n'ai pas remercié l'essentiel parce que l'essentiel, c'est vous. C'est par vous que nous avons fait un tel succès. Et c'est un moment formidable que nous ayons un rendez-vous annuel qui nous permet tous de nous sentir, je crois, plus intelligents et je suis sûr, plus proches. Merci à tous.